travail de délicatesse, de légèreté, de gravité en même temps. Je ne sais pas si certains d'entre vous avaient vu Beginners, qui est le film précédent des Mike Mills, qui racontait l'histoire, qui était inspiré de son père, qui faisait son coming out à 75 ans. C'était un film avec Ewan McGregor, Mélanie Laurent et Christopher Plummer, qui a eu l'Oscar du second rôle. Et ce film-là, c'est plutôt un portrait de femme, au singulier et au pluriel. Et on retrouve le charme, la subtilité, et encore une fois, la gravité et la légèreté qu'il y avait dans le premier. C'est un film qui se passe en 1979, ça a son importance, une sorte de fin de période de transition. Et je pense que celui qui en parlera bien mieux que moi, c'est le metteur en scène. Je vous demande d'accueillir Mike Mills. Merci Nadia. Comme je le disais, le premier film était inspiré de votre père, et celui-là, il est inspiré de votre mère. En quoi le personnage d'Annette Bening est proche de ce qu'était votre mère? Well, first, thank you all so much for coming to see the movies. I would love showing my movies in Paris. And my movies owe so much to French cinema, so it's always very important. Annette, she's very much like my real mother in one very important way. They're both very rebellious, non-compliant women that are very hard to understand. D'abord, merci à tous d'être là. C'est vraiment un grand plaisir. J'aimerais présenter tous mes films à Paris et mon cinéma doit tellement au cinéma français que ça a toute sa pertinence. C'est un plaisir d'être là et de vous voir. Venu voir ce film. Ce personnage a vraiment quelque chose de ma mère, dans le sens où c'est une femme tout aussi rebelle, tout aussi peu apte à se plaindre et tout aussi impossible à comprendre. Quel a été le déclic du film? Qu'est-ce qui vous a donné envie de raconter cette histoire-là? So I made a film about my father. And my parents are very strong characters, a lot like film characters. And it's very sad that my parents are passed away, and it's very convenient for me as a filmmaker, because I can make movies about them and they can't complain about it too much. Comme vous l'avez dit, j'ai commencé par faire un film sur mon père. Il se trouve que mes deux parents sont de vrais personnages de film. Leur vie était extrêmement riche en soi, et donc le fait qu'il ne soit plus de ce monde est d'une part extrêmement triste, mais par ailleurs plutôt confortable, puisque je peux faire enfin des films sur eux sans qu'ils s'en plaignent. Yes. on va le voir sans trop dévoiler les choses. Le procédé de narration que vous avez choisi est très particulier. Justement, vous parliez du cinéma français, il y a presque des collages un peu comme dans les premiers Godard ou des choses comme ça. Ça vient à quel moment? Au moment de l'écriture? Au moment du montage? Yeah, it's very the essay style of Godard or even Manet. The beginning of Hiroshima Mon Amour, the essay. Even Shoot the Piano Player, Truffaut, the long bio in the middle of the movie, very inspiring to me. When you're working from real life, from real people, real people's biographies, they don't come as a plot, they come as many different details and facts. So it's more of an assemblage, of like a collage, than a plot, because people's lives don't work like plots. En effet, oui, les premiers films de Godard, la dimension essai du cinéma de Godard, mais aussi les films de René, le début d'Hiroshima Mon Amour, par exemple, ou Tiré sur le pianiste de Truffaut, aussi est un film avec cette bio qui apparaît au milieu du film, est un film qui m'a beaucoup inspiré. Il se trouve qu'à partir du moment où votre film s'inspire de personnages réels, que c'est leur vie qui va faire le corps de votre film, il se trouve que leur vie ne se présente pas à vous comme une intrigue ou comme un scénario.
un peu que l'on développerait, mais elle se présente plutôt à vous sous forme de briques que vous devez assembler, que vous devez coller pour les faire tenir en une histoire entière. I feel like I speak French. I always wanted to speak French. I'm very eloquent. Qu'est-ce qui vous touche le plus dans cette période de transition de la fin des années 70? Vous aviez 13 ans à l'époque. Vous étiez donc un peu plus jeune que le personnage principal, le petit garçon. A little bit, yeah. One thing I'm very nostalgic for that I didn't think about really when I was writing this is, but I became nostalgic when I was making the movie, is it's pre-digital. It's before the internet. There was boredom, there was space, there was, you had to go find people, read books, you had to travel to learn things. And that physicality is really interesting and gone now. So that I feel very bittersweet. Disons que quelque chose qui me rend très nostalgique par rapport à cette période-là, et ça j'en étais pas conscient au moment où je l'ai écrit, c'est seulement en faisant le film que je me suis rendu compte, c'est que cette époque-là est une époque qui précède le monde virtuel. On n'en était pas encore à l'époque numérique, on n'en était pas encore à l'époque d'Internet. C'était une époque où il y avait encore de l'ennui, où il y avait encore de l'espace, où il fallait encore aller à la rencontre des êtres, à la rencontre des livres, il fallait voyager, il fallait parcourir quelque chose pour arriver aux autres. Et ça, c'est quelque chose qui n'existe plus. Et donc, ça a pour moi une espèce de saveur assez aigre-douce. Pourquoi vous diriez que le jeune homme du film est proche de ce que vous étiez en 1979? Yeah, I mean, I had the talking head shirt. Like, you haven't seen the movie. That's right. This better be good or you'll be very bored in a minute. He does things I did. I was into skateboarding and punk rock, and I was into the Talking Heads, and I can't explain the rest. I would give away the plot. But I don't ask the actor to be like me, and I purposely pick someone who doesn't look like me, and I'm really not interested in me. But I need him to see the woman. Je ne vais pas vous raconter tout le film quand même, ça ne serait pas drôle, mais ce que je peux dire, parce que c'est ce que nous avons en commun, c'est le goût du skateboard, des talking heads, de la musique punk rock. Donc on avait des points communs, mais au fond, j'ai fait exprès de choisir un garçon qui ne me ressemblait pas, parce que je me fiche de moi-même, c'est pas moi qui suis vraiment intéressant dans cette histoire, c'est plutôt le regard qu'il porte sur les femmes qui l'entourent. Quel a été le personnage le plus difficile à écrire pour vous? My mom. She was very, on many levels, she didn't want to be known. She's a very secretive, private creature. And she's sort of like a trickster figure, you know? If you told her to sit there, she would sit there. If you expect her to act mad, she would act happy. She's just very hard to figure out. And actually, Humphrey Bogart was the best thing to help me figure out my mother. There's a line in the movie, she says, my next life I'm going to marry Humphrey Bogart. My mom always said that in her life. And I think in many ways she wanted to be Humphrey Bogart. And so his thinking, his mindset, his worldview really helped me figure out my mom. Ça a été bien sûr le personnage de ma mère. Ma mère était une femme qui ne voulait pas être connue, qui ne voulait pas être dévoilée. C'était quelqu'un d'extrêmement... qui était toujours dans la contradiction. Si vous lui demandez de s'asseoir à un endroit, elle s'asseyait surtout partout, surtout, mais surtout pas à l'endroit attendu. Si vous attendiez à ce qu'elle se mette en colère, en fait, elle était ravie. Et donc, c'était quelqu'un vraiment d'assez impossible à cerner. Et donc, quand il s'agit pour moi de la définir, je me suis rendu compte que le meilleur moyen que j'avais de la définir était en creux à travers le personnage de Humphrey Bogart. Il se trouve que c'est quelque chose qu'elle dit aussi, que le personnage dit dans le film, c'est qu'en fait, je pense qu'elle aurait voulu être Humphrey Bogart. Et donc, c'est à travers cette aspiration et cette identification que j'ai pu l'écrire, elle, en passant par lui. Qu'est-ce qui vous a fait penser que Annette Bening était l'actrice idéale pour jouer ce personnage? I just guessed. I didn't know. And then, when we started working, well, they're both Geminis.
So they actually share a lot in the soul department. And Annette is very funny, very intelligent, and the character has lots of contradictions. And Annette didn't try to simplify the contradictions. So I had a hunch she might do that, but I didn't know how good she was going to be until we started working. C'était une intuition, il a fallu se lancer pour s'assurer que l'intuition pouvait se vérifier. À part le fait d'être gémeaux toutes les deux, je pense qu'elles ont vraiment quelque chose de très de profondément commun dans leur complexité, dans les contradictions qui sont les leurs, leur intelligence, leur humour. On s'est lancé, il se trouve qu'elle était parfaite. Qu'est-ce que vous attendez des acteurs en général? Oh, I want actors to be free in exploring something that I couldn't have predicted. And I want them to have it. If it's really alive for the actor, there's no way I can predict what's going to happen. And that's what I really want. And that's what I encourage. So, and I want the actor not to know what they're going to do. The worst thing is when the actor plans everything or stays safe. So, like Annette's great. Each take. I know Annette does not know what she's going to do, and that to me is the big gift. Ce que j'attends d'un acteur, c'est de se lâcher et d'aller explorer des contrées qui ne sont connues ni de moi, ni de lui ou d'elle. Le pire, c'est un acteur qui sait exactement où il va, qui sait ce qu'il va vous donner. Donc moi, ce que j'espère, c'est ça, c'est qu'il me surprenne et qu'il se surprenne. Et à ce titre-là, Annette était extraordinaire parce qu'à chaque prise, je savais qu'elle ne savait pas où elle allait. Quel moment vous avez donné le titre du film et quel sens vous lui donnez? It used to be called "Oh wow, oh wow, oh wow," which are Steve Jobs' last words before he died. Il devait s'appeler "Oh wow, oh wow, oh wow," qui étaient les dernières paroles de Steve Jobs avant sa mort. Because Apple Computers is also on the rise in 1979, and he used to have more Apple computers in the script, the beginning of personal computing. What I always really want to talk about were the women, to make a portrait of these women, who are all parts of my life. And they're women in history, they're from particular points, the 20s, the 50s, and the 60s, they're born in these years. And that to me, who we are on the most personal level is interwoven with where we came from. Et puis il se trouve que Apple avait un rôle le plus important dans le film, puisque 79 correspond aussi à la période de l'apparition des ordinateurs Apple et des ordinateurs Internet tout court, donc c'était le lien. Mais finalement, il est apparu très vite que le cœur du film pour moi c'était les femmes, et les femmes de différentes périodes de l'histoire, des femmes nées dans les années 20, des femmes nées dans les années 50 et les années 60, c'est ces trois générations, parce qu'il me semble aussi que leur ancrage historique a son importance, puisque qui nous sommes, c'est vraiment une combinaison très, très intime entre nos personnalités, nos spécificités personnelles et l'époque à laquelle nous appartenons sur le plan historique. Dernière question, il y a quelques années, le journal français Libération avait posé la même question à tous les cinéastes du monde, qui était très simple, qui était « Pourquoi filmez-vous ? » Si je vous la posais aujourd'hui, vous répondriez quoi ? It's my favorite art form. It's my favorite thing to be in the audience of. More than I do other things. Also because I'm not a good enough musician to be a musician. So second choice, film director. I went to art school. I grew up being an artist. The art world is very small and rarefied, and the film world is so much bigger, and you're more part of popular culture, and I love that. And I feel very comfortable on set. It's like I did it in a past life or something. And I just think it's kind of the, it's one of the top three art forms to me. Being a novelist, making feature films, or making albums. So it's the one I can do. Je crois que c'est vraiment mon expression artistique préférée, ou peut-être que je devrais dire c'est parce que je ne suis pas assez bon musicien pour en vivre.
Donc, à défaut, en quelque sorte, je suis devenue cinéaste et il se trouve que c'est la forme artistique à laquelle je préfère être moi-même exposée. Et finalement, j'avais le choix, pour moi, les trois formes d'art suprême, c'est soit d'être romancier, soit de créer des albums, d'être musicien, soit d'être cinéaste. Pour moi, le seul que je sache faire, c'est de faire des films. Et finalement, j'aime beaucoup ça. Il se trouve que j'ai grandi, j'ai fait une formation d'artiste plastique, mais ça, c'est un monde qui me paraît assez restreint. Et le cinéma est beaucoup plus ouvert à la culture populaire. Et je me sens très à l'aise dans ce milieu-là. Et sur un plateau, quand je tourne un film, je suis vraiment comme un poisson dans l'eau. Je me dis que dans une vie précédente, c'est déjà ça que je devais faire, donc autant continuer. Merci beaucoup. Ah, merci beaucoup. Merci. Le film sort le 1er mars, comme vous pouvez le lire. Je voudrais remercier le distributeur et vous remercier aussi de votre présence. Merci à tout le monde et une très bonne projection.